Hey Frenchies! Alors bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons manger poulet rôti, salade et poivron. Oui, et nous avons du riz. Et une boisson. En boisson nous avons de l'Arizona. Mais d'abord nous allons commencer par faire les... Parce que je sais que vous aimez les... Et qu'on aime vous faire plaisir à faire les... Premier shout-out pour Clarome 1226. Pour Tyrek et la famille Armance de Maurice. Pour HNPL. Pour Camélia de Nancy. Pour la famille Marie. Hein? Pour la famille Marie. Pour Léa Biglouchette et Léna Lacla. Pour Corentin et Mathéo. De Petit Kevilly. Pour Siti et Tasnim Badroudine. Pour Sephora 974. Bouya. Et elle habite au Royaume-Uni. Quoi? C'est comme moi, Sephora. Ouais. Et en dernier, pour Maa Devi, Armia, Sanjana et Indira Devi 974. Bouya. On vous aime tous très fort. Bon appétit. Non mais t'en as dit beaucoup là. Ben oui, c'est pour ça que c'est moi qui ai fait. T'aurais pas trouvé toi. Et en même temps j'ai de la mayonnaise moi. Alors le riz est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Regardez, moi j'ai de la mayonnaise en sauce. Ok, bon on va commencer. Et j'ai fait une sauce avec avec tout ce qu'il y avait dans mon frigo en fait que j'aime faire. Voilà, c'est une sauce épicée. Pas une cuisse. Tu veux une cuisse? Cuisse. Attends, je vais mettre de la mayonnaise là. Regarde la cuisse comment elle est. T'as vu cette cuisse là, comment elle est jolie? T'as vu ça? Tiens, c'est ta cuisse. Mais si je vais la tremper de la mayonnaise. Moi aussi je vais prendre une cuisse là. Péteuse. C'est pas moi, c'est la mayo. Ouais. Non mais la mayo, j'insulte la mayo et c'est elle. C'est la mayo qui a fait. Bon appétit, on vous aime tous, très fun. C'est encore chaud. Non, je crois comment. C'est tellement chaud, ça me brûlait à la lèvre. C'est pour ça que c'est tombé. Ça m'a brûlé le haut de la lèvre ici. Ah ouais? Là, de la salade. Rancune. Oh, ça fume, je sais pas si vous arrivez à voir la fumée. Ouais, ça fume, ouais. Mais ça fume bien, ouais. Ouais, regarde maman. Ça fume. Je vais mettre du riz dedans. C'est comme la technique du barbecue coréen, mais c'est pas du un barbecue coréen. Je vais faire ma technique. Du riz. Tu mets du riz. Je pense qu'on a un riz. Oh non, on a un anglais. Alors. Là. Maman, tu as besoin d'aide? Tu vois pour mettre du poulet? J'arrive pas à mettre celui-là. Alors, je fais comme ça. Merci. Ensuite, je frappe le tout. Et dans ma bouche. Tu fais comme moi, maman. Donc, moi, je suis la mayonnaise. Regarde, maman. Je vais mettre tout ça dans ma bouche. Bon, maman. Mais pas tout, tu vas t'étouffer. Attends, j'enlève le poulet parce que là, il est trop gros. Bah oui. Bon, hein. Bah oui, c'est bon. Pourquoi tu te fâches? Je sais pas pour eux. C'est bon pas pour toi. C'est bon pour toi. Et t'es tapé. Ça fait du bien de manger, franchement. J'avais faim. Ouais, moi aussi. Ah, maman. T'as de chaud. Au revoir, petit bébé poulet. Je vais te manger, mais... Et tu vas pleurer, petit bout. Bébé poulet. Les deux petits bébés poulets. Petit bébé poulet, pardon. Mais j'avais tellement faim que je vais manger. Ah, c'est sucré.
Quoi, tu verras, c'est sucré. Ça pique pas. C'est sucré. Ça veut pas. Tu veux pas goûter des petits poivrons, des mini poivrons, des bébés poivrons. Je veux pas goûter. Déjà, de base, j'aime pas les poivrons. Ah. Pourtant, c'est très bon les poivrons. Pourquoi t'aimes pas ça, toi? Parce que j'aime pas. Tout le monde ne peut pas aimer les mêmes choses que les autres. Ouais, oui, ça je le sais. Le salade qui est tombé dans ta sauce. Ça fait des sandwichs. Alors, que penses-tu de cette journée? Elle est bonne. Elle est bonne? Oui. On a travaillé dans le jardin tout à l'heure. Ouais, et moi j'ai tout coupé. Presque tout coupé. On a fini. Et tu vois quand on a coupé? Ça fait une cabane. Ah. Oui. Bah dans l'été, tu pourras une mettre un drap par-dessus. Une cabane. Et te cacher dedans. C'est une cabane d'épines. J'ai taillé la haie. Les haies, toutes les haies d'ailleurs. J'ai taillé les haies dans le jardin. Avec moi. Hein. Ça m'a fait mal. Hein. Oui, heureusement que j'ai acheté une paire de gants hier. Mais ça m'a quand même fait mal. Hein. Regarde, moi j'ai fait un foot. Mais pas sur toi. T'as une place là pour faire. Non, je trouve pas. Moi je prends une pot de mayonnaise que j'ai sur moi. Voilà. Comment j'ai le poulet qui est là? Merci. Merci maman. De rien, jeune fille. C'est délicieux. Merci maman. Je me suis fait ça moi. Regarde. Fais attention à ne pas en mettre partout. Tu devrais pas remplir autant toi. T'es une petite fille, mais essaye pas de faire comme moi. Non, je crois que j'ai petit beau, regarde. Ben mange bien au-dessus alors. Et mange pas trop gros. Parce que tu risques de t'étouffer. D'accord? Franchement, c'est une trop bonne idée qu'on a eu de faire poulet rôti comme ça. Ouais. Désolé si vous ne voyez pas bien. C'est que le poulet, il est énorme, t'as vu? Il est méga énorme. Ouais. Maman, tout à l'heure, quand on va sortir, je vais voir M et C. C'est trop bon. Là, si on finit pas tout dans la vidéo, après la vidéo, genre pour ce soir, parce que là, on est mercredi midi, donc pour ce soir, je vais tout désosser et je vais faire revenir à la poêle avec des oignons et du riz et puis de la sauce et tout ça. Mon Dieu. C'est une trop bonne idée de faire ça. On sent que tu kiffes, hein? On t'entend juste là. Après, tu dis que c'est Henri qui t'aime. Alors, c'est bien toi-même. Ça, je fais ça parce que je mâche. Je fais ça parce que j'enlève le riz. Bon, je bois un peu.
Maman, pourquoi personne n'aime la peau ici? La peau ici où? Comme celle qui n'est pas craquante. Pourquoi personne n'aime la peau? Je suis la seule à aimer la peau. Même chez papa, c'est comme ça. Moi, j'aime la peau, mais qui est craquante. Quand c'est pas craquant, je mange pas. C'est gluant. Moi, quand c'est craquant, je mange pas trop. Et toi, tu manges pas du tout quand c'est gluant. Ça? Quand c'est gluant, je mange pas du tout. Non. On fait cheers. Attends, je pose ton verre ici. Cheers. À ta santé. Mais oui, maintenant il fait. Excuse-moi. J'ai roté moi aussi. T'as roté? Ouais, mais tu peux. Roteuse. Pardon. Qui est une roteuse du mercredi? J'aime bien le thé le mercredi. Alors, la sauce, là, j'ai fait avec du gochugang, de la sauce soja, du poivre, de l'ail, un petit peu d'huile. De cette sauce-là? Et après, j'ai mélangé. Soyez, je peux avoir du poulet s'il te plaît. Tu veux du poulet, Tos? Oui, c'est pour mettre dedans. Ah, c'est chaud. C'est d'abonner le doigt. Bah oui. T'en as encore? Quoi, quoi? Quoi, quoi? Quand je dis quoi, c'est dire oui. Tu peux dire tout simplement oui. Quoi, quoi? Quoi, quoi? Il manque un peu de mayonnaise, je vais tremper là-dedans. C'est bon pour toi? Comment ça s'appelle? Ouais, c'est bien ça. Ceux qui ont la référence, vous êtes les meilleurs. Quelle référence? De la vidéo. Je vais te taper. Je le fais bien ou pas? Je fais quoi? Bien. Mais il est il est bon mon poulet, hein. Le poulet. Après lequel il essaie de prendre. Il fait, c'est plus pour toi. Touche pas mon poulet, hein. Je vais te taper. L'autre, il a rigolé. C'est un petit garçon. C'est un vieux papa, oui. Un vieux papa qui est de petite taille. Ça n'a. On dit de petite taille. Ah, je veux pas que les gens viennent t'insulter là. Les gens, pour un mot, ils viennent insulter direct. Les gens ne sont même pas concernés. C'est bon pour toi. Je vais te dire. C'est bon. C'est pas bon. C'est bon. Allez, t'es tapé. J'ai dit c'est bon, c'est bon. Je vais tout tomber, ma fille. Je vais te taper. Tu as tapé Kikit là? Personne. Je vais te boxer. Bon. Attends, je vais lâcher ça. Prends le poulet qui est là-dessus. Mais je prends les poulets. Je prends ce qui est gluant. J'aime que ce qui est gluant. Vous entendez ça? Je crois que c'est bébé. Oh non, le bruit. Ça. Comment elle a fait ça, le maillot? Ça fait. Du coup, maintenant, je mets du riz et mon hamburger est fini. C'est un hamburger que je suis en train de créer. Maman, tu sais, je vais créer. Tu vois, quand tu fais des hamburgers, je vais rajouter un truc dedans. Du poulet avec de la mayonnaise et de l'huile. En fait, tes hamburgers, ils sont délicieux quand tu les fais maison. Ils sont des extra, extra, méga délicieux. Tu le savais ou pas? Ouais. T'as déjà goûté un ou pas? Bah oui.
Merci, ma foule. T'as pas honte d'embrasser la nourriture? Ben, c'est parce que je l'aime. Au revoir, nourriture. T'es complètement folle. Quand j'ai fait quoi? T'es starbée, ma pauvre fille. Et t'as pas essuyé tes mains sur moi, là? Sors de là. On se connaît. Je goûte un peu de cette sauce-là. Goûte si tu veux. Avec du poulet. Pardon. J'ai cette poulet, je suis morte. Attends, je veux la mayonnaise là comme ça. Je n'ai pas besoin d'en mettre comme ça dans ma sandwich. Comme ça, regarde. Voilà. Ça a répété pareil, ça fait. Je vais quand même prendre un peu de mayonnaise. Tu fais ça toi? Alors. Bon, moi j'ai plus faim là. Je bois un coup. Moi aussi. Et c'est bon. Regarde mon pull. Du fumant. Du fumant quoi? Un petit coup de poulet un peu. Un tout petit coup de poulet. Pardon. Pardon. On a tellement bien mangé qu'on n'arrête pas de rôter. Ouais. Ça y est, là, je cale. Mais vomis pas. Je vais pas vomir. Vas-y. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à... Ok. Tu mets un pouce en bas, toi? Non. T'as fait comme ça. C'est un pouce en bas, ça. Like. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à... Liker. À vous. Et abonner. Et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les... notifications. On vous aime tous très fort. Bye. Bye. Tu crois que c'est ton frère qui est derrière, là, qui tape? Ou c'est toi qui as bougé? C'est moi. Bouger. C'est quoi ce bruit? C'est suspect. Attends, on va voir derrière.